Hey, salut à tous, c'est NT. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour le deuxième épisode de Pokémon Épée et Bouclier. Enfin, en l'occurrence, là, on est sur Pokémon Épée. Et je vous rappelle que la dernière fois, si vous ne l'avez pas vu, cliquez tout de suite sur, eh bien, la petite fiche là qui est juste ici pour voir l'épisode précédent parce qu'il s'est passé des trucs incroyables et je vais commencer à spoiler ce qui s'est passé à partir de maintenant. Donc cliquez si vous voulez voir le premier épisode. La dernière fois, les amis, nous avions rencontré un Pokémon mystérieux qui ressemblait au légendaire, mais qui n'était pas exactement le légendaire. Il avait une oreille coupée, je sais pas ce qui s'était passé. On avait aussi choisi notre premier Pokémon, qui est tout simplement un Flambino, qu'on a renommé Flex. Et voilà, on avait commencé à faire des premiers combats avec lui, et c'est très très cool. Bon, on va se rendre du coup à la prochaine ville puisqu'on voulait récupérer nos Pokédex. Nabil et moi, on avait besoin de nos Pokédex. Et on va enfin découvrir quel Pokémon il y a sur cette première route. En avant! C'est le premier pas sur la route qui me mènera au titre de maître. Perso, je vais commencer par m'entraîner dans les hautes herbes avec Wistempo. On se retrouve plus tard! Bah personnellement, je vais faire aussi pareil. Ah, et n'oublie pas de passer au laboratoire Pokémon. Tu sais, c'est le bâtiment là-bas. Avec le toit violet. Il y a un symbole rouge et blanc en forme de Pokéball dessus. Tu peux pas le louper. Ok, donc c'est pas un centre Pokémon, c'est bien le laboratoire Pokémon. Wow, c'est quoi ? Attends, il y a plein de trucs là. Salut toi. C'est le même que tout à l'heure. C'est le mini-ange. Mais on a toujours pas de Pokéball. On a toujours pas de Pokéball, on peut toujours pas... Tension de mini-ange. Oh, on peut plus manger de baies. Très bien. Je vais vérifier, mais on a toujours pas de Pokéball. Si, on en a. Ah, ils ont filé des Pokéballs. Bah écoute, on va le capturer, mini-ange. Hein. Moi, je suis partisan du fait qu'on essaie de capturer tous les Pokémon qu'on croise. Voilà. Moi, je suis un petit peu un mec comme ça. J'ai envie qu'on découvre ensemble. Donc, découvrons ensemble, tout simplement. Ok. On peut lui refaire un charge et puis ensuite on lui enverra une Pokéball et puis on pourra le capturer tranquillement. Yes. Gros yeux. C'est pas grave, mini-ange. C'est pas grave, fais ce que tu veux. On va donc utiliser une Pokéball. Allez. 1, 2, 3. Et c'est capturé. Ok, il y a eu un petit... Il y a eu un petit moment d'hésitation. Je savais pas si on allait... Hey, on gagne quand même de l'XP sur les captures. Ok, c'est très bien. Voulez-vous donner un surnom à Mini-Ange? Allez, appelons-le... J'ai envie de l'appeler Batman, mais tu sais... parce qu'il a... On dirait... Moi, il me fait penser à Batman, en fait. J'ai envie de l'appeler... Batfly. Batfly? C'est possible de l'appeler comme ça? Batfly? Allez, appelons-le Batfly, c'est parti. Batfly, qui est un mini-ange du coup. On va pas du tout retenir les... C'est quoi ça? C'est quoi ça? Un Goupilou. Bah Goupilou, je le prends aussi. Qu'il est quel type, Goupilou? Qui êtes-vous, Goupilou? Goupilou. On sait pas, on peut pas savoir. Et moi je dirais qu'il est de type feu, Goupilou, mais c'est pas sûr. On va tenter Flamèche, on va voir. Ah non, c'est efficace tout simplement. Ah, batterie faible dans mon... Hop, voilà, c'est bon, j'ai branché ma... Oh, je l'ai brûlé. Ok, très bien. Goupilou. Ok, ben on veut essayer de le capturer. Hein. Il est pas incroyable. C'est-à-dire, il peut être cool, mais il est pas incroyable. J'ai envie de lui laisser son nom Goupilou. Parce que je pense qu'il va pas faire long feu dans mon équipe, tu vois. Il n'y a pas eu le... Il n'y a pas eu, comment dire... Le coup de cœur. Je pense que je mettrai des surnoms aux Pokémon que quand il y aura des coups de cœur. Et là, il n'y a pas de coup de cœur avec Goupilou. Mais, pour un petit peu... Oh, il y a un Moumouton. Attendez, il y a un Moumouton déjà. Moumouton, je vous l'ai dit que je voulais le capturer. Donc c'est parti, on va le capturer. Moumouton, je le veux. Je veux surtout voir en quoi il évolue. C'est une fille? Eh ben, c'est très très bien.
Moi, je suis super content avec ça. C'est une moutonne. C'est une moutonne? Je ne sais pas. Rugissement. Parfait. L'attaque de Flex baisse. Allez, c'est parti. On va utiliser une petite Pokéball. Allez, mon mouton, rentre dans cette Pokéball. Comment je vais l'appeler? Je sais pas. Moumout. On peut l'appeler Moumout. Moumouton, on l'appelle Moumout. On peut l'appeler Moumout, notre Moumouton. Ça peut être pas mal, ça. Allez, on va l'appeler Moumout. Genre comme ça. Non, par contre, je veux pas tout en majuscule, du coup. Moumout. Comme ça. Non, Moumou. Allez, on va l'appeler Moumou. C'est tombé comme ça, j'ai oublié le... Moumou. Bah voilà, c'est une fille, on met un E à la fin, c'est Moumou. Voilà, allez Moumou. Bon, il n'y avait pas un Pokémon là caché? Il est parti. Oh là là, attendez de ma... Attends, il y a un Pokémon là dans les herbes. On va y aller doucement. On l'a eu ou pas? Non, c'est pas lui qu'on veut. Minisange, c'est pas toi qu'on veut. Arrête de te présenter à nous. Bon, allez, on va lui faire des petites attaques. Flamèche. Comme ça nous fera XP en même temps, c'est très très bien. Pic-pic. Ok, très bien. Allez, pic-pic. Eh, on irait pas voir quand même quel type il est, là, le Goupilou. Goupilou-pilou. Goupilou. Eh, j'aime de plus en plus son nom, hein, Goupilou. Quel type il est, Goupilou, là? Hein? Mister Goupilou. Où êtes-vous? Alors, comment je vois? Équipe. Ok. Goupilou. Résumé. C'est un Pokémon... Ténèbres. Ok, il est juste ténèbres. Et qu'est-ce qu'il a comme attaque, du coup? Vive attaque, mimiqueux et baston. C'est quoi, baston? Le lanceur appelle tous les Pokémon de son équipe à attaquer. Quoi? Plus ils sont nombreux, plus il attaque. Ah, ok. Oh, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. C'est une nouvelle attaque, ça, ou ça existait déjà? Bon, il n'y a pas... C'est lui que je veux. Ah, voilà. En fait, faut aller vite sur lui. Et c'est un... Ah bah le voilà, un rond gourmand. Eh ben on va le capturer aussi, hein. Moi je vous dis, on capture tous les Pokémon de cette route et puis après on avance, hein. Ah, je vais peut-être le mettre KO, tu me diras, avec Flamèche. Non, ça va. Et après j'aurai plus de Pokéball. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable, vous allez m'en vouloir. Vous allez m'en vouloir, vous allez me dire mais NT, tu captures tout le monde et tu t'arrêtes. Mais le but, les amis, c'est qu'on découvre ensemble les nouveaux Pokémon et potentiellement qu'on les fasse évoluer. Et pour les faire évoluer, il faut qu'ils soient dans notre équipe. Donc c'est parti, on a attrapé Rond Gourmand. Et vous avez remarqué qu'il y a un multi-XP intégré, hein, donc du coup, tous les Pokémon montent de niveau les uns après les autres. Voulez-vous donner un surnom à Rond Gourmand? Ouais, j'ai envie de l'appeler... C'est un mâle, je l'appelle Nestlé. Pourquoi je l'appelle Nestlé? Je sais plus, quand j'étais gamin, il y avait des rongeurs, ça devait être Tic et Tac, qui étaient sur des trucs de lait concentré ou je sais pas quoi. Et je crois que c'était Nestlé qui faisait ça. Vous me confirmerez dans les commentaires. Mais je crois que c'était Nestlé qui faisait ça. Je suis pas sûr, mais il me semble que c'est ça. Bon, prenons la Pokéball. On a trouvé une potion, c'est bien. C'est qui ça? Attends, t'es qui toi? Qui es-tu? Ah, c'est le même. C'est Nestlé, encore une fois. Bah, on va pas à chaque fois t'attaquer, Nestlé. Si? Si? Ouh, il est niveau 6! On va s'enfuir, hein. Attends, il est ultra fort, là, Nestlé. Il n'y avait pas un Pokémon, là? Il y a un Pokémon, là. Yes. Est-ce que c'est Nestlé, encore? C'est toujours Nestlé. Ok, bon. Parfait. Bon, on ne veut pas d'autres Nestlé. Je pense qu'on a fait le tour de cette zone, hein, en vrai. C'est grave possible. Oui, on va lui faire un petit Flamèche, quand même. Comme ça, on arrivera ensuite très vite à la suite de cette route avec... la prochaine ville. Et on pourra soigner nos Pokémon ensuite. Parce que là c'est vrai qu'il lui reste 11 PV, c'est pas beaucoup. Mais là on risque de gagner un peu d'XP. Donc ça peut être vraiment pas mal. Bon. Voilà, il y en a deux qui montent de niveau. Batfly aussi. Super. Notre Minisange. Allez. Alors on va récupérer cette Pokéball. Deux anti-para. Très bien. On vérifie, hein, là, si on a des Pokémon qu'on ne connaît pas, mais visiblement,
On connaît ça. Et celui... En fait, ceux qui sont dans les points d'exclamation, ils sont plus... Ah, salut toi, Larvibule. Ah, donc il y a d'anciens Pokémon aussi sur la première route. Ok, non, c'est super intéressant de savoir ça. Parce que j'en étais pas sûr, en fait, tout simplement. Larvibule, il est quoi? Il est insecte, non? Ça devrait lui faire super mal, le feu. Yes, c'est parfait. On est content. Et voilà. Bon. On a un peu XP. Je vous propose qu'on aille tranquillement à cette ville. À Braswick. Alors, je dois pouvoir aller au centre Pokémon avant. Je propose qu'on aille au centre Pokémon avant d'aller... D'accord, ok, il veut pas me laisser rentrer. Mon mouton aime beaucoup trop se faire chouchouter au centre Pokémon. Allez, c'est l'heure de rentrer là. T'es complètement remis maintenant. D'accord, donc ils nous laisseront pas passer. Bon, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que... Déjà, toi, qui es-tu? Attends, il y avait un panneau ici qui disait à droite, laboratoire Pokémon, à gauche, garde Braswick. D'accord. Eh ben, allons au laboratoire. Ah, salut Tarak. Bravo, tu es arrivé au laboratoire Pokémon sans te paumer. Rigole pas, moi je me perds tout le temps. T'as vu, ça change vraiment la vie d'avoir un Pokémon. Perso, je sais pas comment je retrouverai mon chemin sans Dracaufeu. Enfin bref, entrons. Waouh, c'est une bibliothèque en fait. C'est clairement une bibliothèque, hein, on peut le dire. Ah, ça, on peut faire confiance à la professeure Magnolia pour avoir tout un tas de livres. Passionnant, sur tous les sujets. Vole, vole tout! Oui, un vol tout tout! Yes! Il est trop mignon! Il est trop mignon! Oh! Incroyable. Tarak, me dis pas que tu es encore venu me demander des infos sur les Pokémon, les plus forts de la région ou je sais pas quoi. J'ai pas que ça à faire, moi, hein? Ouais, j'ai décidé de lui faire une voix comme ça. Mais je l'oublierai bien entendu, hein, vous savez, vous me connaissez moi dans mes let's play. Je fais des voix au personnage et puis après... Ça me fait plaisir de te voir Voltoutou. Non, ça me fait plaisir de te voir Voltoutou. Je compte plus le nombre de fois où je me serais perdu sans toi. Je te présente Voltoutou, c'est le Pokémon le plus serviable du monde. Il m'évite toujours de me perdre en venant à ma rencontre pour me montrer le chemin. Et puis la rouquine, c'est Sonia. C'est une dresseuse et j'adore ses petits plats. Tarak, c'est pas comme ça qu'on présente les gens, sérieux. T'aurais pu dire qu'on a fait le défi des arènes ensemble, non? Et je te signale que si Voltoutou vient te sauver la mise à chaque fois, c'est parce que je l'envoie à ta rencontre. Bref, enchanté, je suis Sonia, l'assistante de ma grand-mère, la professeure Magnolia. Sonia, je te présente Enti. Il se lance tout juste dans une carrière de dresseur. Je compte sur toi pour l'aider. Bah ouais, j'espère qu'elle va m'aider. Enfin, j'espère juste que tu vas me donner un Pokédex déjà, en fait, tout simplement. Ce serait déjà pas mal. Ah, il se barre comme ça. J'adore ces petits plats. Non, mais je te jure, c'est tout ce qu'il trouve à dire sur moi. Désolé, je l'aime bien, mais il me rend un peu dingue parfois. Ah, et tu as déjà un Motismart? À ce que je vois. Comment ça va, Motismart? Ah oui, c'est le... D'accord, c'est le smartphone. Motiti! C'est trop pratique, le Motismart. Avec la carte et le GPS intégré. Impossible de se perdre. Enfin, je dis ça, mais Tarak y arrive quand même. Bref, t'es calé en Pokémon? Ouais. C'est vrai, cool. Je te donne accès au Pokédex sur ton Motismart. Au fait, le Pokédex c'est un cadeau de ma grand-mère, la professeure Magnolia. Du coup, tu peux passer la prévenir quand c'est que c'est bon, tu as un Pokédex maintenant? Elle habite au bout de la route 2. Eh ben allons au bout de la route 2. Ok, d'accord. Là par contre c'est le vide intersidéral à droite. Est-ce qu'on peut monter et découvrir un petit peu ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils nous disent? La taille des Pokémon. En général, évoluer permet aux Pokémon de devenir plus grands et plus forts. Cette manière de paraître aussi imposant que possible est une forme d'instinct de survie. Ok. D'accord. C'est que des livres sur la taille des Pokémon. Vous avez vu? 12 000 livres sur la taille des Pokémon. Ah, le phénomène Dynamax. Le Dynamax est un phénomène donnant aux Pokémon une taille gigantesque. Il n'est possible de le provoquer qu'à certains endroits précis de Galar et sous des conditions particulières. Ok, c'est très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Les données sur l'écran n'arrêtent pas de fluctuer. Peut-être que la machine mesure quelque chose. Ouais, je pense bien, ouais. La transformation des Pokémon. Les Pokémon ne changent pas de forme uniquement en montant de niveau. Ils peuvent aussi évoluer sous l'influence d'un objet ou d'un lieu particulier. On raconte que leur changement de physionomie et de tempérament serait provoqué par un gène de leur corps. Mais à l'heure actuelle, personne n'en a la preuve. Très bien. Eh ben, ça fait plaisir. Oh, Voltoutou, vous êtes mignon, vous, hein?
Il est mignon, lui. Hello à toi, jeune dresseur. Pardon, je te coupe dans ton élan, mais... Tu viens de sortir du laboratoire Pokémon, donc ça veut dire que tu as un Pokédex. Et ça tombe bien, parce que j'adore donner des trucs aux petits jeunes qui démarrent dans la vie. Recevez une potion. Ok. Tiens, prends cette potion. Quand les PV ou points de vie d'un de tes Pokémon sont dangereusement bas et que ta santé vacille, hop, une potion et ça repart. Tu peux utiliser les potions en plein combat aussi. Un autre conseil, si je puis me permettre. La connaissance, c'est la clé de la réussite. N'hésite pas à parler aux gens et à lire toutes les pancartes que tu croises sur ta route. Pas de soucis. J'allais justement faire un petit tour de la ville. Ici, c'est la Cambrousse. Tu devrais visiter les grandes villes. Elles t'en mettront plein la vue. Si tu perds, n'oublie pas de consulter ta carte. Ça, on sait. Alors, qui est-ce qu'on a par ici? Le grand bâtiment juste à côté, c'est le laboratoire Pokémon. Mais si tu cherches le professeur Magnolia, tu la trouveras chez elle, au bout de la route 2. C'est en effet elle que je cherchais. Mais on m'a dit d'aller parler à tout le monde, donc du coup, je viens de parler. Salut toi. Tarak est tellement fort, c'est notre superstar à tous. Avant je voulais devenir dresseur Pokémon, mais honnêtement, toujours penser au Pokémon comme le fait Tarak, c'est pas vraiment pour moi. Allons voir à la gare ce qu'il y a. Bienvenue à la boutique Pokémon, que désirez-vous faire? Ah, on peut acheter des trucs. Oh, on a plein d'argent. Mais je peux pas acheter de Pokéball. Je peux pas acheter de Pokéball. Pourquoi je peux pas acheter de Pokéball? Incroyable. Bon, ok, on va quand même acheter des petits trucs. On va acheter des antidotes. On va acheter des antibrûles. On va acheter des antigels. On va acheter des réveils. On va acheter... On a déjà deux antiparas, donc c'est très bien. Et on va acheter trois rappels, allez, au cas où. C'est très bien. Et au niveau potions... allez, on va en racheter trois. Allez, c'est parti. Toujours ça, on a plein d'argent, donc c'est déjà très très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? En raison de travaux de rénovation sur le réseau, des délais sont à prévoir sur la ligne. Ah, ouais, bah, normal. En raison, ok, d'accord. Donc on peut vraiment pas y aller, quoi. Ah, on peut s'asseoir. Non, moi je voulais juste lui parler au monsieur. Je veux parler au monsieur. J'adore regarder par la fenêtre quand je prends le train. Tous ces paysages qui défilent. Ok, très bien. Bon, je vois qu'ici, il n'y a pas tant d'informations que ça à choper. J'ai aperçu Tarak à la gare. Il a un tel charisme qu'on le remarque même de loin. C'est vrai qu'il a surtout une grande cape, en fait. Salut toi! Sonia m'a filé un Pokédex, c'est pas trop classe ça? On va pouvoir rencontrer plein de Pokémon et se monter une équipe du tonnerre. Mais si on tombe sur des Pokémon sauvages ou des dresseurs trop costauds, nos équipes risquent de déguster. Heureusement que les centres Pokémon sont là pour nous aider à les remettre en forme. Les centres Pokémon, tu peux pas les rater. Ils se ressemblent tous. Allez, viens, Inti, on va y jouer à un Pokémon. On va y jouer. Quoi? On va y jeter un œil. On va y jouer à un Pokémon. Joue un Pokémon au centre Pokémon. Au fait, Inti, c'est ta première fois dans un centre Pokémon. Non, je m'y connais. Dans ce cas, j'ai rien à t'apprendre. Eh ben, c'est très bien. Vous êtes dresseurs, les jeunes? Pensez à faire le plein de potions. Merci du conseil, monsieur. Inti va faire soigner ses Pokémon si nécessaire. Et retrouve-moi à la route 2. Yes, pas de soucis. Donc là, c'est quoi l'autre là? Là, il nous fait des sorbets, lui. C'est quoi ce Pokémon là derrière? C'est quoi ce Pokémon là? Je sais pas. Spécialiste des noms, rappeler une capacité, oublier une capacité. Ah ouais! Donc, c'est donc dans les centres Pokémon, on peut. Ah ouais, ok, d'accord. On peut réapprendre des capacités et tout. Incroyable. En tout cas, vous êtes très jolis dans cette salle là du centre Pokémon. On a déjà 5 Pokémon, ne vous inquiétez pas. Notre équipe, elle va tourner. Elle va tourner, je peux vous le dire. Ok, alors, monsieur, est-ce que vous, je peux vous acheter des Pokéballs? Vous non plus? Mais c'est pas possible, qui c'est qui vend des Pokéballs, là? Je vois que t'en as derrière, donne-les-moi sur ton étalage, là. Mais du coup, pas de Pokéballs, ok. Accéder aux boîtes PC. Les boîtes PC. Vous pouvez stocker des Pokémon, ici. Eh bah, très bien, on a rien d'incroyable, là, pour le moment, puisqu'on a rien du tout. Ok, parfait. Eh bien, allons plus loin. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est le vendeur de fruits. Bonjour, elles sont fraîches, mes baies. Elles sont juteuses. Elles te tentent? Dis-moi tout. Ah, on peut acheter des baies. Ouh, ça peut être pas mal, ça. Bien, on va en acheter, comme ça, on peut en faire tenir à des gens. Une baie qui soigne la paralysie lorsqu'elle est tenue par un Pokémon, qui soigne l'empoisonnement lorsqu'elle est tenue par un Pokémon. Au lieu du baie pêcheur, on va acheter. On a plein d'argent, tu te rends compte? Si tu pars à l'aventure et tes parents te donnent 31 000 Poké-Dollars, ce serait incroyable.
Ah, j'ai trouvé un petit mouton, une poképoupée. Une poképoupée permet de s'enfuir d'un, d'un combat sauvage plus facilement. C'est toujours agréable de faire du shopping, moi qui... Oh yes, on va pouvoir changer notre tenue. Mais elle est trop... Elle est déjà ultra grande, cette... C'est une boutique de luxe dans un tout petit village, quoi. Bon, alors, comment ça se passe pour acheter des trucs? Que désirez-vous? Ah! Ouais, pas incroyable, hein, au niveau des t-shirts. Ah, par contre, ça... Ça, j'aime beaucoup. Mais il est super cher. T-shirt urbain. Le t-shirt curry. Ok. Je suis pas sûr... Alors, on va voir les gilets qu'on a. Ok, gilet, ok. Au niveau des pantalons, on a des pantalons skinny. Ok. Ah, il y a que des pantalons skinny, d'ailleurs. Ok. Chaussures basses. Des mocassins. Ah, c'est des chaussettes, ça, en fait. Ok, on peut choisir les chaussettes, le sac. Ah, bah voilà, on peut changer le sac. Sac de voyage. Ouais, les sacs sont plus sympas. Hein. Vas-y, on va se prendre ce sac-là. Voulez-vous porter tout de suite? Ouais. Au niveau de la casquette. Casquette Gavroche. Il y a des bonnets. Ok, on est juste sur des bonnets, donc il n'y a rien d'incroyable. Lunettes, ok. Et les gants. Ah, gants, on peut avoir des gants. Gants simples. Vas-y, on va se mettre des gants blancs. Allez, allons-y. On complète notre style avec des gants pour le moment. On veut le porter tout de suite. Et attends, au niveau des chaussures, on peut mettre un truc un peu cool. Non, il y a juste des mocassins, quoi. Mocassins, c'est pas incroyable. Et pantalon. Ouais, non, pantalon pour le moment. Mais par contre, non, son haut est dégueulasse. On va le changer un petit peu. On va lui mettre... Non, je suis pas sûr de son style, là. Il est ouf, hein, le t-shirt arcanin. Mais malheureusement, pas incroyable. On va se prendre juste un t-shirt. Il n'y avait pas un t-shirt. Ouais, voilà, celui-là, le blanc rayé un tout petit peu. Ok, c'est parfait. Et je peux mettre une veste. Qu'est-ce qu'on a comme couleur de veste? On va se mettre tout blanc. Vas-y, viens, on va se mettre tout blanc. Pour le moment, on va être comme ça. Allez, on se met tout blanc. C'est parti. Et au niveau des pantalons, qu'est-ce qu'on fait? On a quoi comme couleur? Bah blanc, on va pas mettre que du blanc non plus. Oh là, un pantalon gris. C'est parti. Voilà, c'est parfait. Et au niveau des chaussures, du coup, ça va pas du tout. Donc prenons des chaussures à... Oh, allez, des chaussures rouges. Putain, c'est cher les mocassins. Bah non, j'achète pas. Attends, 6000. J'ai fait faire une grosse connerie, ce sera tout, oui. Oh là là, oh. Merci beaucoup. Eh, on est beaucoup plus classe, là. Là, je nous trouve beaucoup mieux. Déjà. C'est déjà ça. Voilà. Là, on a la classe. Bon. On va pouvoir avancer, hein. DNT. Maintenant qu'on est dresseur et tout, il faudrait qu'on tente les défis des arènes, non? Ah oui, ça... Sérieux, tu connais pas? Attends, je t'explique. C'est une compétition annuelle où les dresseurs de toute la région s'affrontent pour avoir le droit de défier le maître. Mais il faut une lettre de recommandation pour pouvoir y participer. Vu que Tarak nous traite de Minus... Je pense pas qu'il voudra nous aider. Je pensais aller demander à la professeure. Ce serait trop bien si on participait ensemble, non? On pourrait se soutenir mutuellement, mais aussi s'encourager à se dépasser. Le prof habite tout au bout de la route 2. On pourra en profiter pour entraîner notre équipe en chemin. Yes. Je pensais qu'il allait nous faire un combat, mais non, pas de combat pour le moment de prévu pour lui. Eh bien, entrons par ici et regardons un petit peu ce qu'on nous dit. Sonia et Tarak étaient de brillants rivaux jadis. Déjà à ton âge, Tarak aimait les Pokémon et les combats plus que tout. Il faisait toujours preuve d'une véritable rage de vaincre, même dans les matchs amicaux. Merci les vieux. Salut toi. Un dresseur doit bien connaître ses Pokémon s'il espère tirer le meilleur de leur puissance. Tu vois ce bâtiment au toit violet au loin? C'est là que la professeure Pokémon habite. Ok, d'accord, donc c'est là-bas. Notre but est d'aller là-bas. Eh ben, si c'est bien le cas, c'est ultra bien fait. Hein. Parce qu'on voit au loin, quoi. Route 2. Oula, qu'est-ce qu'il va faire? NT, viens par ici, j'aimerais te parler d'un truc. Je me disais, ce serait peut-être bien d'attraper quelques Pokémon, non? Eh oui, le Pokédex ne va pas se remplir tout seul, les Minus. Frangin! Eh, mais je vois que t'as déjà pigé le truc. Bien ouais, NT. Je parie que c'est ta mère qui a été prévoyante en te donnant de quoi en attraper.
Je vais vous filer des Pokéballs, tiens. Faut juste me promettre d'attraper plein de Pokémon avec. Surtout dans le coin, ça grouille de Pokémon qui n'attendent que de trouver un dresseur à aimer. 20 Pokéballs, yes. Merci Tarak, t'es vraiment le meilleur. Cool, on va pouvoir gagner des tas de points d'expérience en attrapant des Pokémon. Profitez des dresseurs qui vous défieront en chemin pour vous faire la main. Je me demande à quoi ressemble l'équipe qui vous accompagnera au cours de vos aventures. En tant que maître, j'ai vraiment hâte de voir ça. Et bah parfait. Bon, c'est décidé. Je vais attraper un max de Pokémon. La prof va être bluffée. Yes, bien sûr qu'elle va être bluffée, la prof. Voilà. Alors, ça on connaît déjà. Par contre, celui-là, on le connaît pas encore, peut-être. C'est quoi? Un Larvadar? Qui es-tu? Qui êtes-vous, Larvadar? Ok. Ok, pourquoi pas, Larvadar. On va faire vive attaque. Larvadar. Bon, je pense qu'il va évoluer très vite. Si c'est l'équivalent d'un chenipan, il risque d'évoluer très très vite. Donc, ce que je vous propose, c'est que, ouais, on le capture. On va le capturer. Comme ça, on verra potentiellement en quoi il va évoluer. On sait pas. Pour le moment, je le renomme pas parce que je sais pas si je veux le garder dans mon équipe. Mais voilà, on le capture de manière à l'ajouter au Pokédex. Ce sera très très bien. On gagne des points d'expérience. Nestlé monte au niveau 4, notamment. Donc ça, c'est parfait. Et du coup, il est ajouté au Pokédex. Mais du coup, les autres, ils ont été ajoutés au Pokédex ou pas? Voulez-vous donner un surnom à Larvadar? Non. Larvadar a rejoint votre équipe. Je voudrais voir si ça a été ajouté au Pokédex. Parce que si je regarde notre Pokédex... Est-ce qu'il n'y a que les Pokémon que je rencontre à partir de maintenant? Non, voilà. Capturé, vu, 8. Et ils nous disent les Pokémon proches. Ah, Larvibule. Ok. Ça fait même office de radar. C'est incroyable. C'est incroyable, ça. Bon, ici, on a déjà capturé. Et ça, c'est quoi? Ah, salut toi, Chakripan. Yes. Ça fait plaisir de vous voir par ici, Mister Chakripan. Bon, on va utiliser Flamèche. On changera de Pokémon, hein, vous inquiétez pas les gens, hein, à un moment ou à un autre. Oh yes, on l'a brûlé. Jet de sable. Bah, tu vas rien nous faire avec jet de sable, hein, Chakripan. Moi, je te le dis, hein, il n'y a rien d'incroyable dans le fait d'utiliser jet de sable, hein, ça c'est sûr. Allez, une petite attaque et on va pouvoir avancer un petit peu. J'ai pas l'impression qu'il y a grave énormément de nouveaux Pokémon dans cet endroit. Mais bon. C'est pas très grave. On va voir. Alors, par ici, il y a énormément de ronds gourmands. Hein. C'est assez incroyable. Hein. Il y a quasiment que ça. Hein. Et ici, c'est quoi? Encore un Larvadar. On a d'ailleurs pas regardé quel était son type, mais maintenant on va pouvoir le savoir si je fais info combat. C'est un type insecte tout court, Larvadar. Et bien très bien, donc attaquons, utilisons Flamèche. Normalement ça devrait le mettre KO directement. Yes, c'est parfait. Ça va nous rapporter un petit peu d'XP. 21. Et Batfly monte de niveau. Et ça, ça fait plaisir. Bon. Eh mais qu'est-ce que t'as là, rond gourmand? Ok d'accord, il a... Oh, un dresseur! Incroyable, il y a un dresseur. Il y a un dresseur les amis. Allez, faisons ce petit combat contre ce dresseur. Je te regarde, tu me regardes, alors en garde. J'adore! Il y a moyen d'en faire une chanson. Je te regarde, tu me regardes, alors en garde. Est-ce que c'est pas l'évolution de Ron Gourmand qu'il y a sur son t-shirt? Je sais pas. Ou est-ce que c'est juste Ron Gourmand? C'est peut-être juste Ron Gourmand en vrai. Viens, changeons de Pokémon. Envoyons Batfly. Regardons un petit peu ce qu'il peut faire, Batfly. Salut Batfly. Tension de Batfly. Et voilà, tu peux plus manger de baie. Alors, charge. Ok, il nous a enlevé 6 PV. Arrogance. Qu'est-ce que c'est ça, arrogance? Ivre de puissance, le lanceur attaque de toutes ses forces. Plus ses stats ont augmenté, plus la puissance de l'attaque est élevée. Ok. Ah, c'est pas mal ça. Pic pic. Ok. Je pense qu'on va peut-être pouvoir le mettre KO alors que lui nous a pas mis KO. On va voir. On verra en fonction de ce que ça donne. Mimiqueux. Il baisse notre défense. Je pense que du coup ça devrait le faire.
Si je dis pas de bêtises, je pense pas qu'il nous fasse 11 PV sur son attaque. Et nous, on devrait pouvoir mettre KO en gourmand. Oh bah ça va, il nous fait Mimikyu encore une fois, donc on est bon. On est bon. Allez, pic-pic. Et au revoir, Mister Rongourmand. Et ça nous fait du coup pas mal de points d'expérience. Est-ce que Badfly monte de niveau? Ah, presque, presque, presque. Nestlé monte au niveau 5, il apprend morsure. Super. Et on a battu. Ah, on l'a battu, il avait juste un seul Pokémon. Ah oui, donc c'était assez, assez simple. Ok, alors par ici. Hop, on voit ici une Pokéball, donc on la prend. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici? Conseil au dresseur. Les Pokémon obtiennent des points d'expérience en participant à des combats. Ils en gagnent aussi lorsque vous capturez des Pokémon sauvages. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, on le connaît déjà, Rongourmand, donc on va pas forcément aller le voir. Et vous trouvez 3 Pokéballs. C'est cool parce qu'on peut vraiment éviter en fait les Pokémon. Et ça, c'est très très cool. Alors, elle. Est-ce qu'on va pas mettre un autre Pokémon face à elle? Genre... Goupilou, je sais pas. Larvada. Non, on va garder Flex. On va garder Flex. J'aurais bien aimé que Moumou soit un petit peu plus haut level, mais il est malheureusement pas suffisamment haut level pour ce que j'ai envie, quoi. Kelo Croc, qu'est-ce que c'est que ça? Il est trop mignon, Kelo Croc. Ah, ah, c'est la pré-évolution de Torgamor, Kelo Croc. Mais oui, c'est ça. C'est incroyable. Donc il est normalement de type roche. Oh. Donc globalement pas du tout les types qu'on a envie de rencontrer ici. Bon, on va faire vive attaque, mais je sais pas si ça va lui faire très très mal, hein, vive attaque. Hein. Ça va, ça va. On est pas mal. Ah ça va, il nous fait pas très mal parce qu'il nous fait juste charge. Oh, il est trop mignon. C'est clairement lui qui évolue en Torgamor au final. Hein. Kelo Croc, c'est... Mais par contre, il est magnifique, je le veux. Il est trop mignon, regardez, avec sa petite dent là devant. On adore. Oh là 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 là. Mais les amis, mais c'est trop cool. Je suis si content de les découvrir, ces Pokémon, avec vous, en direct. Je trouve ça incroyable. Voilà, tout le monde monte de niveau. On a battu Lisa, la fillette. Bon, la fillette, elle a quand même l'air d'avoir quand même 17 ans. Hein, donc elle est presque plus une fillette. Hein. Waouh. J'ai déjà oublié de son nom. Calocroc, Corécroc, Clérocroc. Y'a quoi là-bas? C'est quoi là-bas? C'est un Pokémon boosté? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est un Shiny? Directement? Je ne sais pas du tout. Harry le gamin veut se battre. Il envoie un Larvadar. Ah bah Larvadar, on le connaît lui. On le connaît. Allez, on attaque Flamèche. Ce sera super efficace sur lui. C'est parfait. Au revoir Larvadar. Ce fut rapide. Est-ce qu'il a un deuxième Pokémon ou pas? Ok. Et il envoie Goupilou. Goupilou, donc du coup, qui est un Pokémon, on a vu, de type ténèbre. On va changer de Pokémon. Allez, envoyons... Ça pourrait être pas mal de faire sur Vincek, je crois que... Ah non, 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 j'ai rien dit. Attends, si. Non, je sais jamais si ténèbre, c'est faible face à Vincek. Bref. Envoyons en vrai, regarde, on va envoyer Goupilou contre Goupilou. Faisons ça. Goupilou contre Goupilou. Et moi je vais faire baston et là il va avoir super mal. Parce que ça va appeler tous les Pokémon de l'équipe. Est-ce qu'ils vont... Attends, est-ce qu'on va voir visuellement tous les Pokémon de l'équipe? Non, pas très efficace. Ah bon? Attends. C'est une attaque ténèbre. Ah, ténèbre contre ténèbre, c'est pas très efficace. Bah c'est pas grave, regarde, moi je le fais quand même. Vive attaque, vas-y, montre-nous ce que t'as. Et baston. Ah ouais, ok, ça fait vraiment pas mal. Ah non, si. Ah. Ça attaque le nombre de fois qu'il y a de Pokémon dans l'équipe. Donc ça attaque 6 fois. Donc c'est pas si mal que ça. Finalement. C'est vraiment pas mal. On va faire Mimikyu. Je vais lui faire Mimikyu. J'ai bien envie de le mettre KO, moi, avec Goupilou. Hein. J'ai bien envie de tenter ça. Hein. Allez, on va faire baston, encore une fois. Vive attaque. C'est vrai qu'il est plus rapide que nous, du coup. Allez, baston, une fois.
2 fois. 3 fois. C'est long, hein. 4 fois. 5 fois. 6 fois. Juste 6 fois, bah oui, normal. Allez, on va lui faire vive attaque. Juste pour voir combien ça lui enlève. Non, avec le Mimikeu derrière, ça fait plus de dégâts hein, que Baston au final. Et du coup, super intéressant le délire de Baston. J'adore. Et notre équipe a gagné. Larvadar monte au niveau 6. Et on a battu Harry le Camin. Allez, salut Harry. Wow. Alors attends, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Mais c'est pas un shiny? J'ai vu une... Je suis persuadé que j'ai vu un truc shiny. Mais en tout cas, bon bref. On a Kellocroc là qui est incroyable. Écoutez, on va le capturer. Mais j'ai vu une petite étincelle là. On n'a pas vu un petit... Je me repasserai, je re-regarderai l'épisode, mais... J'ai cru voir un petit truc briller. Je me suis dit, c'est un shiny, tu sais. Le mec trop ouf. Si je lui mets Flamèche, normalement il tombe pas KO. Normalement il tombe pas KO si je lui mets Flamèche. Voilà, très bien. Coup de crâne. Il augmente sa défense. Ok, bah c'est pas grave, on va continuer avec Flamèche. Parce qu'on veut le capturer, hein, Kellocroc. Ah, c'est obligé. On va le capturer. Coup de crâne. Aïe. Ça fait mal, ça, hein. Bien, on utilise la Pokéball maintenant. Il est niveau 7, hein, quand même. Niveau 7, c'est pas mal du tout, hein. 1. 2. 3. Et c'est capturé. Parfait. Kellocroc. Je l'adore Kellocroc. J'adore Kellocroc. Et ben Kellocroc ajouté au Pokédex. J'ai envie de lui donner un surnom. Allez, c'est parti. On va l'appeler. Du coup, on va utiliser son nom. Je sais pas pourquoi il s'appelle Kellocroc. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais du coup, j'ai envie de l'appeler J'ai envie de l'appeler Kellogg's. Voilà, tout simplement, comme les céréales. En plus, il a croc, donc du coup, c'est plutôt sympa parce que les céréales, on les croque. On a Nestlé et Kellogg's quand même, hein. Incroyable, c'est pas sponso, hein, je vous le jure. Qui est-ce que j'enlève? Je me dis que Nestlé sera peut-être pas super utile. Hein. Donc malheureusement. Ou alors Goupilou, on enlève Goupilou. Ou Larvadar. On va enlever Goupilou. Allez, on enlève Goupilou. J'ai choisi, on enlevait Goupilou. Eh ben top. Il y a un truc qui brille. Non, en fait, c'est juste qu'il y a un truc caché, là. C'est ça? Ah ouais. Ok, c'est juste qu'il y avait un truc caché. Il n'y a pas du tout de shiny. Bon, les amis. On va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que vous l'avez kiffé. Moi, personnellement, je suis toujours ultra hypé par ce jeu. On va donc se retrouver très, très vite pour une prochaine vidéo. Ce sera demain aux alentours de 17h. Restez comme vous êtes, car vous êtes super. C'était Nutitof. Bye tout le monde.